Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5, Please Giraffe. Toujours à la recherche de moyens de farmer les Living Vines. Et donc chers amis, apparemment il y a 5% de chance supplémentaire de dropper si on utilise des armes style celle-ci, qui correspondent donc aux armes de type Hunting, des armes de chasse. Donc on va essayer de profiter un petit peu de ce bonus, on va bien voir si c'est efficace ou non. En tout cas, moi je l'espère, j'ai passé un petit bout de temps à chercher tout ça. Apparemment c'est dans les œufs, donc j'ai vérifié en fait, j'ai vérifié. Dans un fichier du jeu en fait, il y a littéralement les drop rates. Et en fait tous les compos particuliers apparemment seraient sujets au fait d'utiliser une arme de type Hunting. Ce qui fait qu'en fait par exemple, utilisant ceci, je peux passer de 10% à 15% de chance de dropper une Living Root. Bon, jusque là c'est pas vérifié hein. Même pas vérifié du tout. Je vais finir par me les donner ces Living Roots. Ça va pas le faire. Bon. Tu éviteras de te faire du mal pour rien, s'il te plaît. Ah non, j'ai. Oh putain. Ça valait même pas le coup d'aller la chercher. C'est génial. Ok. Living Root, toujours pas. Nous sommes toujours à combien de Living Root? Je l'ai rangé, génial. Nous en avions donc 3 de mémoire. Nous en avions 3 de mémoire, donc il nous en faut encore 12. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de les avoir. Rien et rien. Du sucre si tu veux. Là on va arriver dans la ville. Donc je vais faire un. Trou. Ok. Et je vais barricader la ville. C'est-à-dire que je vais entièrement la fermer. Je ne peux pas parce qu'il y a. Le fichu arbre. Qui m'en empêche, d'accord, c'est pas grave. Bon, bah, on va considérer qu'ils sont coincés. Toujours ça de près. Hop, on reprend les Hunting Spear. C'est pas ce que je devais faire, dommage. Ça se trouve, j'en avais une là qui est tombée. Et putain de merde. Ah. Je croyais que j'avais la bonne arme en main. Hop là. Par contre, ça n'a pas l'air de fonctionner le système de drop à la con là, amélioré. Hein? Parce que c'est pas que j'en tombe aucune, mais c'est que j'en tombe aucune. Ça va pas le faire. Soyez honnête, ça va pas le faire. Il n'y a vraiment aucune qui tombe. Ah là là. Ok. Donc j'ai fait le maximum que je pouvais faire de comment de Hunting Spear là, à la con. Hop. Allez. Tu vas bien m'en donner. Tu vas bien m'en donner. Allez, vas-y, fais pas ta péripatéticienne. Fais pas ta péripatéticienne. Boum. Oh, mais il me fait apparaître zéro monstre. Je crois que je vais me focus sur la partie où on a plein là. On verra bien si c'est efficace ou pas. Oui, je m'amuse à les envoyer. Il va trouver un amusement quelque part. Hop. Putain, mais il n'y en a pas une seule qui tombe. Il n'y en a pas une seule qui tombe, chers amis. C'est la violence. C'est la violence.
Alors. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Là, c'est ce que je voulais faire. Ok. Un petit peu de régène, ça va nous faire du bien. Y a pas un seul monstre. Regardez-moi ça, y a pas un monstre qui repop. Ils peuvent pas être aussi rares, c'est pas possible. Je veux dire, si déjà le butin est rare, alors si en plus les monstres le sont. Et rien du tout. Rien du tout. Hop, rien non plus. Rien non plus. Là où c'est le plus triste, c'est qu'il me donne plus rien en fait. Hop, y'a rien, demi-tour. On va essayer de voir si ça repop. Hop, on verra bien. Écoutez, là ça n'a pas repop du tout. Allez, dis-moi que je peux faire un petit peu de farm rapide sur une petite zone de repop où c'est efficace. Rien. Je tombe rien sur ces monstres. Non, rien non plus. Bon! Alors. Rien du tout. Rien du tout. Living Root. Wouhou! Une! Ça fait 4 au total, chers amis. C'est la fête. C'est la fête. Ce farming me prend la tête. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Rien. Et celle-là, il y en avait 15 dans le truc, là. Non, il n'y avait rien. Comme ça, c'est fait. No Susai, man, no Susai. Hop, non, reste là. T'as pas une living route sur toi? Non, dommage. Ok, ça fait 2. Ils m'ont fait un total de 6, de 5 ou de 6, je ne sais plus. Je sais même plus, de toute façon, comme ça, c'est clair. Alors. Hop. Donc. Il n'y en a plus du tout. Parce que vous savez, si ça repop plus, c'est la fin. Hein. Hop. Hop. Ah, excusez-moi, j'ai dû recevoir un texto. Est-ce que c'est important? Oui, non. Alors. Crac. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Même là, il n'a pas bon. Bon. Eh bien, écoutez, je vais me renseigner, chers amis, et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Re, chers amis, donc, nous sommes cette fois-ci sur une planète de type tropical. Et apparemment, il y a un biome à rechercher sur cette planète. Allez, on va voir s'il y est ou pas. Sinon, ça va être très vite reconnaissable. Alors, on verra bien. Hop. Il va être très rapidement reconnaissable. Non, parce qu'il est vraiment très particulier. Donc, wow. Sale bête. Raté mon tir. Voilà. Parfait, problème résolu. Green Steam Pack, bah d'accord, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites par là. Raté. Oh. Encore. Ah, eux ils donnent donc apparemment des Sharpened Claws, ce qui n'est pas plus mal. Hop.
n'est clairement pas dans le biome sur lequel je m'attendais à être. Qui me pose un petit problème, je l'admets. J'espère qu'il y aura quand même l'autre biome, enfin le biome classique. Mais là, je l'admets, ça m'inquiète un petit peu. Hop. Problème résolu. Je l'avais pas vu. Je me rappelais pas de ces petites bestioles là, dis donc. Alors, honnêtement, je commence à avoir des doutes sur l'existence de ce biome, cette planète en tout cas. De la bonne boue. De la bonne boue. Ok. Ça me dit rien cet endroit, donc on devrait plutôt être bon, j'imagine. Ah, il y a des pixels. Pas bon signe. Quoique, non, ça me dit rien. Salut. J'ai un doute. Je commence à avoir un gros doute là, c'est pas bon. Allez, ce biome, il existe bien cette planète. Ah, il y a des trucs qui ont été cassés. Allez. Aïe. Mais pas ta pute. Raté. Raté aussi. Allez, j'ai mis tellement de temps à trouver cette planète. Ah putain, on a déjà fait le tour. Bon, on remonte. On remonte. Normalement, ils sont assez communs, ces trucs-là. Hop. Alors, on va trouver une autre planète. C'est pas grave. Crac. Tropical. Alien. Rocky. Alien. Génial. Gentle, non pas gentle. Excentrique. Voilà. Crack forest, aride, snow, aride, aride. Putain. Oh nom de Dieu. Poison Ocean. Et merde. Essayons sur une autre excentrique jusque à côté. On va essayer celle-là. Hop. Voilà, il y aura rien forcément. Hop. Tropical. Oui. Hop, c'est parti, on y retourne. On en a combien à l'heure actuelle? 2 plus 3. Ça fait un total de 5. Ce qui veut dire, autrement dit, qu'on en a pratiquement pas. Bon. Bon. Po! 3, 2, 1, engage. Po! Voilà. Tiens, donne-moi des pixels. Paye-moi pour le sexe que nous avons tous les jours. Avec du blé. Du maïs, pardon. C'est sympa. C'est sympa. On se sent aidé dans ce vaisseau. Bon. Ce n'est pas grave. Enfin, on va faire comme si c'était pas grave. Je vérifie quand même au passage que ce soit bien 15. Même si ça m'étonnerait qu'il en ait. Oh là là. Le jeu pompe en RAM, si vous saviez. 15. Donc il en faut encore 10. C'est bien ça. Hein. On n'y est pas, hein. Allez. Non, pas le chat. Pas le chat. Oui, bah, je sais bien que t'as pas de bouffe, et alors hein. Il y a des souris dans le vaisseau, tu te démerdes. Tu te démerdes. Alors. Ah bah, on y est dedans déjà. Ah bah, allez, voilà. Boum. Hop. On tombe dedans, c'est parfait. Plus qu'à trouver ces monstres en quantité. Allez, donne-moi ces monstres. D'accord, je vais le prendre juste pour le principe. Oh, il n'y en avait que deux dans tout le niveau. Dans tout l'univers. Ok.
c'est cool. Et on a fini le biome là. À cet endroit là on finit le biome, donc on va mettre un mur. Histoire qu'on sache qu'ici c'est là. Ouh, il y en a un gros. Si c'est la fin du biome. Vous voyez que. Hop. Et il a rien donné du tout. C'est intéressant. Je précise intéressant parce qu'il a. Il a quand même donné quelque chose. Hop. Hop. Voilà. Toujours rien. Connaissez le principe, on va se faciliter la tâche au plus facile. Arriver à parler aussi, ce serait pas mal. Bon. Toi là. J'aurai ta peau. Tu n'as rien donné, merci. Vous êtes nombreux par là d'un seul coup. Ah, une de plus. Oh la sale bête. Il en fait une de plus, qui nous en fait un total de 6. Oh, voilà, ça c'est fait. Ce lancer de professionnel. Il paraît qu'au lancer de javelot, j'étais sélectionné à Rio. Popopo. Eh ouais, Rio, carrément. Il y a un mystère par terre. Hein. Mélange mystère abortide au niveau des couleurs. Et le 2. Ça commence à aller un peu plus vite. Voilà, on a un petit peu plus de chance, ça dépend. Là, c'est facile à passer ce truc-là, c'est bien. La véritable question, c'est est-ce qu'on va continuer à en trouver en pleine nuit. Ah, des petites ailes. Je commence à devenir mignon. Oh, elles font des petits battements. C'est magique. C'est bio, chers amis, c'est bio. Bon. Non. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, je l'avoue. Je pense que vous l'aurez tous compris. Je pense avoir changé de biome, cela dit. Le fond, il ressemble à la même forêt. Bon, bah écoute. Il est possible que je sois encore dans le même biome. Non. Alors, un petit peu de santé par-ci, ça me ferait bien. Ok. On va remettre un bout de mur ici, qu'on puisse savoir exactement où et quand s'arrête ce biome. Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, c'est carrément mettre des trucs de lieu pour savoir où aller les farmer. Chose que je vais faire en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en avait moins la nuit. Bah écoutez, je me suis trompé. Oh là 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 là. Il paraît que le terme kamikaze a été inventé pour ces bestioles. Raté. Tu t'es coincé. Espèce de bleu. Hop les. Pas facile à toucher avec ces saloperies hein. Hop. Parfait. Ha. Hop, voilà. Et les grosses font très mal. Ok, c'est bon à savoir. Ça saute dans tous les coins par contre. Hop, problème résolu. Bon, on l'a pas retrouvé depuis tout à l'heure, ça commence à faire longtemps.
à en retrouver une. S'il faut que je me plaigne pour en retrouver, je vais me plaindre beaucoup plus souvent. Hein. Autrui, toi, jeu. Hop, merci. Une de plus. Hop, on est à 7 ou à 8. 9, on est carrément à 9. Génial. Oh, un gros. Il n'en aura pas donné. En tout cas, les résultats sont là, on en trouve plus. Oh là là, oui, on en trouve beaucoup plus même. Hop, sommes à 10. Les résultats sont présents. On va voir sauter dans le coin là. Ok, j'en ai pas trouvé un sur les trois là, c'est dommage. Ça valait le coup d'essayer. Hop. Et nous avons atteint l'extrémité. Alors. Faisons un léger demi-tour. J'ai dit léger. Alors. Pour voir une bestiole voler au-dessus. Oh, ce lancer de javelot. Ce lancer de javelot, digne de Rio. Aïe. Vous faites mal. Il me semble que nous sommes à 11, oui, c'est tout à fait ça. On progresse plutôt bien, hein, en quantité. On peut pas se plaindre pour le coup. Alors, il va falloir que je mette un landmark, un favori, un point d'intérêt ici. Hop là. Et je crois qu'elle en a lâché une. Non. Non, je me suis trompé. Bon, c'est pas bien grave. Hop. Hop là, voilà. 12. Ok. Passage par là. Ok, 13. Je rêve où elles y sont mises de concert. 14. Plus qu'une. Plus qu'une, chers amis. Nous sommes à l'extrémité. Et on va avoir le Vine Fist. Le Vinefist, qui apparemment est le point le plus puissant, hein, d'après ce que je peux comprendre au niveau des dégâts. Il fait 8,2. C'est dire à quel point c'est puissant. Oh putain. Combien qu'a fait mon épée? 30, d'accord, ok. C'est juste pour voir, c'est juste pour voir. Après, le combo est peut-être très satisfaisant au niveau des dégâts. Hein. Je dis pas le contraire. Hop, non, malheureusement non. Le dernier va être long à trouver, vous allez voir. Parce qu'on est trop chanceux. C'est un euphémisme, hein, je précise, du sarcasme, presque. Je sais pas si on est véritablement chanceux ou pas, à vrai dire. Quand je vois la facilité avec laquelle on trouve les blueprints... Est-ce que j'aurais eu le 15ème? Non, j'ai cru, j'ai vu qu'on avait chopé quelque chose, mais alors quoi, je n'aurais pas su le dire. Non. Malheureusement non. Living Root, on en a eu un. Ce qui nous en fait un total de 15, chers amis. Nous pouvons donc remonter. C'est parfait. Alors, on va ici. On appelle l'ascenseur. Il me semble qu'il y a un truc que je vais pas avoir sur moi à l'heure actuelle. Ce sera les trucs de, voilà, d'upgrade. Forcément. Bon, on y va comme ça. On l'appelle pas. Parce que ça raccroche et ça rappelle. Je la referai plus non plus. Je suis désolé. Ici, hop. Allez, pour le plaisir. Pousse-toi du bout de temps. T'es devant le bout de temps. Voilà, j'ai couché une fois avec et maintenant il m'arrête pas de me coller au cul. Bon. Vinefist. Parfait, on l'a fait. On l'a, chers amis, le Vinefist. Donc on va le mettre ici. Avec l'autre.
Non, c'est bien un violet aussi. J'avais cru que c'était un bleu l'espace d'un instant. Donc on a le dash. Oh! Boing! Boing! Et ça fait quelque chose de particulier sur un ennemi? Ça peut être intéressant d'aller vérifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut! Ce bruit caractéristique de la pénétration de quelque chose dans autre chose. Je vous dirai pas quoi. Il y a aussi Fist dedans. Bah c'est efficace. Je viens de battre. Hop les. Bon, par contre oui, c'est clair que c'est pas les monstres face auxquels on devrait se battre avec ce genre d'armement. Hein. Clairement non. Attendez, c'est mes. Excusez-moi, je croyais que c'était mes comment mes. Mes ailes qui faisaient le petit bruit tout le temps là. Mais non. Bon bah écoutez chers amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, n'a pas trop lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo. Putain on a 30 000 pixels, on n'a jamais eu autant. Incroyable.